Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce nouveau let's play sur la PS4. Et nous allons attaquer le let's play de ce fabuleux jeu qui est Rime. Alors, pourquoi continuer? J'ai jamais joué. Rime, c'est un voyage. Pourquoi il dit que j'ai une progression? Oui. Ce jeu, je l'ai déjà terminé. Sur la Nintendo Switch, il y a à sa sortie, donc il y a presque 2 ans maintenant. Et j'avais adoré ce jeu, malgré qu'il avait été très très critiqué, ce portage Switch, parce qu'apparemment au tout début il y avait des petits soucis de lag et autres problèmes de texture et ça. Mais ce jeu a été très rapidement patché et moi je l'avais joué patché et je n'avais pas ressenti de problème particulier. Donc là on va le faire maintenant sur la PS4 pour voir un petit peu la différence. Et nous voilà donc suite à un naufrage. On se retrouve donc sur cette île. Alors, je vais essayer de découvrir un petit peu les touches. Parce qu'on est sur PS4. Alors j'étais pas du tout venu là, il me semble. Sur ma session Switch, je sais pas s'il y a quelque chose à trouver. Ouais, il y a peut-être quelque chose en plus. Bon, ça se trouve, c'est ici qu'il fallait venir. Et non pas aller de l'autre côté. J'ai raté. Oh, t'es sérieux là? Je peux pas courir. Hein. Je peux pas courir. Pas que je tombe là. On a eu assez de mal à monter. Ah, il y a quelque chose ici. Ok.
Ok, on a trouvé. On a trouvé quelque chose qui nous permet de souffler et de faire de la musique. En fait, je pense qu'il fallait venir par là. Hein. Par contre, après... On est au même endroit, on est d'accord. Ouais, c'est là où on a récupéré le... l'objet. On ne peut pas monter ici. On peut pas sauter. On est obligé de redescendre, non? J'en ai bien l'impression, hein. On dirait qu'il n'y a pas d'autre passage. Ah, ok. Il veut pas sauter. Ok. Ce qu'on peut comprendre. Voilà. Du coup, on a fait un petit peu le tour d'ici. Hein. On est arrivé là, on a été là. Il y a quoi ici? Une petite vue sur la plage. Ok. Est-ce qu'il y a un autre endroit par lequel on peut monter par ici? Ne dites pas que je suis redescendu pour rien. Si vous allez me le dire. Est-ce que je peux nager là? Ouais. En vrai, je savais que je pouvais nager. On peut même nager sous l'eau. Donc c'est une espèce, une sorte d'open world avec des petits donjons et des énigmes. Donc voilà où va se passer une grande partie de notre action. Est-ce que si je fais ça, non. Et donc vous l'avez compris, il va falloir remplir tous les trucs qui sont en bas dans la fontaine, mais forcément les autres ça ne va pas être aussi simple. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait des animaux. Je m'en rappelais plus. Donc le but du jeu, ça va être de remplir tout ça. Donc on va aller par là. Et d'ailleurs, on voit... Ah oui! Oui, mais c'est pas passé. Alors évidemment, je pense que les énigmes vont me revenir assez facilement. Par exemple ici. Je sais que... Allez. Voilà. On peut les récupérer. Voilà. Comme ils aiment manger ça, vous voyez.
tout simplement. On va l'écarter lui, en lui en donnant ici par exemple. Lâche. Ah. Mais va manger. Moi j'ai peut-être pas mis assez près. Attends, faut vraiment lui mettre dans la bouche quoi. Allez, on va lui amener alors du coup. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Là c'est trop marrant. Il a tout bouffé le petit haut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à côté. Voilà. Ah, en fait, fallait pas jeter. Ok. Autant pour moi. Donc quand je me rappelle, mais pas tant que ça. Voilà, nous, on a balancé le deuxième. Il va nous falloir trouver le troisième. Je sais plus par où on va pour aller par là-bas. Je pense pas que je puisse y aller par là en tout cas. Je suis en train d'aller par là pour voir un petit peu. Ouais, voilà, ça, il doit y avoir un passage plus dessous là. Ouais, c'est ça, dessous. On va pouvoir passer dessous, je pense. On va peut-être pas sauter, hein. Ah si. On va peut-être pas quand même. Aïe! Ouais, ça fait haut quand même. Hein. Attention là. Peut-être un petit risque là. Allez, on va aller se diriger vers celle-là. Donc on va essayer d'y aller à la nage. Alors, normalement, attendez, il y a le mec en rouge. Voilà. Pour monter quand ça commence à noircir, sinon on meurt. Attendez, je me rappelle plus comment on monte là. Faut aller par dessous, mais voilà, je me souviens plus. Pas tout simplement monter par là, je crois pas. Vous voyez, il faut descendre. Ah, c'est là. Voilà. Et ici, je peux monter. C'est assez sombre comme il fait à moitié nuit. Et en plus, moi, j'ai les deux lampes dans la figure, donc je vois pas très bien. Pas très bien. Alors, ça c'est stylé. L'autre, ah, il y en a un autre là-bas. On en a mis trois, je sais plus combien il en fallait. Il y en a 4. Il y en a 4. Alors où est l'autre?
C'est ce qu'on a vu là-bas. Bah, je peux pas y aller là-bas. D'accord, on n'en voit pas d'autres. Hein. Moi, j'en vois pas d'autres en tout cas. J'ai cru voir un halo par là. Je suis perdu parce qu'il fait nuit, je vois rien. Je ne sais pas ce que je fais là. Bon bah en tout cas il y a des passages, donc c'est que on peut venir. Qu'est-ce que je fais là? Ah, je peux monter là. Eh, on a peut-être trouvé le passage du premier coup. Ouais, c'est bon ça. Je pense qu'on a trouvé le passage. Je sais pas où on est là. Ah, là, regardez. Il y a une tour. Il y a le signal lumineux qui est là, donc c'est par ici qu'il faut aller. Ah, il y a encore ce personnage rouge, énigmatique. Voilà. Là, je pense qu'on a fait les 4. Donc on va aller voir ce que ça donne. Il y a les mêmes petits soucis de caméra que j'avais eu sur la Switch par certains endroits. Hein ? Alors, je sais pas s'il y a un passage plus simple que par où je suis arrivé. Parce que c'était un peu compliqué quand même. Par là, par exemple. On est tombé. D'accord. Bon, on n'est pas... Ça va. Ok. Pas du tout où je vais. Ah, ça a l'air plus simple par ici. Oh, vas-y, descends, va. Ah non, descends pas. Attends. C'était où, là? C'était là? Faut sauter. Mais non, il y a un trou, là. C'est un énorme trou. Attends. Voilà. Je ne vois rien en fait. Hein. Avec les lampes que j'ai, je vois rien. Donc j'ai hâte que le jour se lève. Donc là c'est bon. Ouais, on a le signal, regardez, on a le signal lumineux dans le milieu. Donc c'est bon. On va pouvoir aller voir ce que ça nous fait. Je pense que ça va nous ouvrir le temple là. Ah oui, je me rappelle. Alors lui, il va nous montrer le chemin tout au long du jeu.
c'est vraiment de la... J'adore ce genre de jeu. C'est très 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 poétique. La petite musique tranquille. C'est magnifique. Donc ce genre de truc, il suffit de crier dessus et ça découvre des mécanismes. Alors vous allez voir, plus tard ça va vraiment se compliquer. Donc là c'est très pratique, il suit le suivant. Il nous montrera souvent le chemin. Sauf qu'il ne nous explique pas comment monter. Et il peut être assez relou, vous allez voir. S'il se met à gueuler, viens par là, mais viens par là. Sauf que nous, il y a un mécanisme là. Et ça marche. Bon. Et ben voilà, première énigme, il va falloir qu'on découvre. Ah bah là, elle est là. Comment ça se fait que je l'ai pas vu à l'aller celui-là? Bref, je l'ai pas vu. Petite amitié qui se lie. Donc vous avez vu, quand on est arrivé, on croyait que l'île était toute petite. Mais en fait, on va découvrir plein de choses. Plein de temples comme celui-là. C'est comme cet énorme temple qui est là-bas. Ah, il y a le troisième qui est là. Donc il faut que je trouve l'endroit où je peux avoir les trois. Voilà. Donc là, il y a des trucs pour les au cas où. Hein, on est des sangliers qui est fin. Donc. Voilà, c'est le genre de mécanisme qu'on va avoir. Il faut les... Voilà, d'ailleurs, depuis ce truc-là... Ah, mince. Il suffit de... Voilà. On ouvre les portes comme ça, en fait. Avec ce genre de mécanisme. Alors des fois, faut les bouger droite à gauche. Ah, mais je me rappelle de cette salle, j'avais galéré, je crois. Je crois que je peux pas... Je suis obligé de tomber, je crois. Ouais, je suis obligé. Ok. Et ici, il y a ça. On va faire un petit peu le tour, voir ce qu'on a. On a le petit cube là, qui sert à quelque chose, on le sait. Parce qu'on peut le tirer. Voilà, on sait qu'on peut tirer ce cube. Ah, regardez. Ici, on peut monter.
Voilà. C'est pas cette salle que j'ai galéré. Ou peut-être que si. Mais comme je sais maintenant, je l'ai déjà passé une fois, du coup ça revient vite. Ah, on a un mécanisme là. Donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà, typiquement là il va falloir en bouger plusieurs, je pense, pour se caler. Voilà, ok. Donc il va falloir qu'on approche l'autre là. J'ai vu qu'il y avait un truc pour le mettre ici sûrement. Voilà. Faites voir ce que ça donne. C'est bon. Vous voyez, à chaque fois ça va nous ouvrir des nouveaux paysages. Voilà, là typiquement la grande tour. Et bien, il faudra qu'on y aille. Là, là on a un cube qu'on peut bouger. On peut monter là. Je peux monter là. Ici on a des gravats. Ici on a une porte. On va voir ce qu'on peut faire avec ce cube. Qu'est-ce que je peux faire avec ce cube? Je vois pas trop à quoi il me sert ce cube. Ah, je sais pas à quoi il me sert ce cube. Peut-être il me sert plus tard. Parce que là pour l'instant on a une porte, on va y aller. Mais ici il y a quelque chose, hein, vous voyez. Ouais, peut-être si on le verra plus tard. Ah, il y a un mécanisme. Ah, on a besoin du cube ici. D'accord. Ah, bah ils sont là les cubes. Bon, on va voir ce qu'il nous faut faire dans le mécanisme. Il y a quelque chose ici. Hein. Ah, je peux pas. Si. Ok, on voit qu'il nous manque. Il manque un morceau. Ça, je sais plus c'est quoi. Ça fait tourner la porte. Ah. Celui-là, on peut pas le bouger. Celui-là, je peux le bouger. Attendez, on va essayer de tourner ça encore. Hop. Je vais voir un petit peu. Là, il manque clairement un morceau. Ok. Et là, le morceau, on dirait qu'il est là, quoi. Ça veut dire quoi? Il y a quelque chose à faire avec ce cube là-bas qu'on a laissé. On va essayer d'amener le premier cube ici. Alors, on va essayer d'amener le cube là-bas. On va voir ce que ça donne. On met le cube ici. Voilà. Si je tourne ça. Ah, il y a une autre porte à droite, regardez. C'est pas une porte, ça? Non. Voilà. Qu'est-ce que ça donne?
bah, il manquait un morceau du coup. Évidemment. C'est le même morceau, on dirait. C'est ça qui est dingue. C'est ce morceau là. Mais je peux pas le porter celui-là. Ici on a rien. Ça y est, on est bloqué. Vous voyez? Et pourtant je connais le jeu. Il sert ce cube là. Il sert forcément à quelque chose. Ah, je peux pas faire autre chose que ça en fait. Ça fait quoi ça? Il y a quelque chose ici, regardez. Clairement. Par où? On peut pas le contourner, ça. Ça, je peux pas l'amener ailleurs. Ça, je peux pas l'emmener. Non. Je peux pas le bouger, ça. Et si je me mets là? Non, je peux pas le bouger. Et ici, il y a quoi? Ah! On est où là? Attendez, on est où là? On est nu ici. On a fait tout le tour en fait, c'est ça? Ah, on était venu donc. Donc on était déjà venu ici. Ah oui, c'est ça, on a fait tout le tour, ok. Bon, bah, superbe. Totalement inutile. Bon. Ça veut dire que il y a quelque chose à faire avec ça, mais il nous manque un morceau. Non. Et ici, c'est quoi? On peut pas voir. C'est ce morceau qui nous manque, on est d'accord? Hop là. Ce que ça fait. On est bien bloqué là. Là, ça suffit pas, on est d'accord. Bah non. Tu fais. Voilà. Tomber. Ça fait rien du tout là. Pour moi, ce truc-là,
vu qu'il était là, il doit pas rester là. Pour moi, il doit aller de l'autre côté. La logique, c'est ça. Sinon, c'est trop facile. Donc pour moi, ce truc-là, il faut le mettre ici. Donc ici, si on tourne ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer de voir s'il n'y a pas un autre alignement, en fait. Ah, ah, attendez, attendez. En fait, fallait pas faire le... Ah oui! Oh, le truc. Et du coup, regardez. On a transformé le... Oh, punaise. Je me rappelais plus de ça. Ah, c'est bien. C'est... Si les petites énigmes de début, déjà, je me rappelle plus. C'est bien. Ça veut dire que je vais galérer un petit peu. Et là, normalement, on devrait pouvoir ouvrir la porte. Voilà, c'est bon. Ouf. Ah bah, c'était bien la porte que j'avais repérée. Par contre, ça y est, refait nuit. Je vais encore rien voir. Et ça a encore ouvert un nouveau monde. Donc à chaque fois on pense que le monde est pas très grand, mais si en fait. Je sais pas pour combien... Ah! Bon, ça va. Je sais pas pour combien de temps de jeu je vais en avoir. Surtout si je galère comme ça à chaque fois. Je sais pas si il fallait que je descende en fait là. Je suis en train de me demander s'il fallait que je descende. Il est où le renard? Ah, il y a le personnage rouge là. Ah, regardez. Il vénère. Le truc sur la tour. Alors. On a récupéré un truc. Du coup, bah je suppose que c'est la clé de ce truc-là. Oh, je vous dis, ça ouvre des mondes à chaque fois. Lui, il a l'air de dire qu'il faut que je monte. On va suivre. Waouh. 3 signales. 3 signales. Désolé. Trois signaux. Coupera au montage. Je peux pas monter là. Trois signaux. Il n'y a rien là. Hein. Non. Comment je monte? Il est où le renard? Là, il y a une mouette. Ah mais il y a un escalier là.
quoi faire simple. Ok, ça c'est fait. Donc on n'a plus le choix. T'es où? T'es là-bas. Mais attends, si je descends là, je suis pas sûr de pouvoir... pouvoir monter, moi. T'es marrant. Je peux pas sauter, là. Ah, faut que je peux descendre, par contre. Bon, bah, on va descendre, alors. Du coup, je ne sais pas si je dois sauter en arrière. Sauter en arrière. Non. Monte. Monte. Il veut pas monter. Ah, il veut pas monter. Donc c'est qu'il faut descendre. C'est une logique implacable. Ok, c'est bon. Ah, il y a un truc là. Donc il va falloir que je trouve l'endroit pour faire les quatre. Okay. Ah, il y a un socle là. Ici on peut mettre un truc. Ça c'est quoi? Ok. Alors. Si je fais ça et que je te regarde. Ah, il veut pas. Ah, il veut pas crier. Il chantonne, tranquille. Je peux pas sauter. J'en ai que deux d'ici. Ici, il chantonne. Ok, c'est pas ça. Je vais aller sauter de l'autre côté pour voir. Je vais aller par là-bas pour voir s'il n'y a pas un truc à faire. Ah mais non, mais il faut que j'aille vite alors. Comment je pourrais avoir les 4 en même temps? Ah, ils m'entendent pas ceux du bas. Ils m'entendent pas ceux du bas. Bon, je vais essayer de faire ce que je voulais faire. C'est-à-dire gueuler, monter, sauter. Voilà. En plus, il y avait le renard. C'est que c'est ici. Ah, voilà. C'est le genre de caméra qui me... J'ai un peu de mal. Ça fait quoi? Je ne sais pas. Ah, attends. Ça, je peux le traîner, ça. Oui, je peux le traîner. What? Ok, bon, je le prends. Ok. Vite, faut que je monte. Oui, c'est bon ça. Alors, à première vue. Je peux sauter. Voilà. Ah.
ça fait beaucoup de bruit. Il y a des trucs là. Ok. On sait qu'il y a ce gros machin qui est là. Ah, ça on peut le bouger. On peut le bouger. Ça a bougé mais pas assez, donc on va le déplacer. Ah attends, je peux aller par là aussi? Non, je peux pas aller, je vais pas prendre le risque. Attends, il y a un truc là. Ah, il y a un truc là-bas. Ok, il y a un truc là-bas. Ah, il y en a un autre là-bas, regardez. Ah, il y en a partout. Du coup, ça, je sais pas où le mettre. Je vais le mettre là. Au milieu. Il en manque un. Il en manque un au milieu. Ah, il y a ce truc là-bas, là. Comment je peux faire? Si je l'amène ici. Genre si je fais ça. Ah. Bingo. Ah. Oh, faut aller tellement vite. Ok. J'y croyais pas en fait. Hein. Mais si en fait. D'ici ça le touche. Non. J'essaie d'y aller. Non. Ah, faut vraiment. C'est bon. Ouais. Enfin, c'est bon. Disons que j'ai actionné un truc. Quoi? On sait pas. Je pense que je peux sauter là. Et je vais pouvoir continuer de monter. Ok. Ok. Ok, je vois le business. C'est bon. Ah, je vais peut-être continuer à... Je sais pas. Une grosse boule là, on est sur du gros mécanisme. Alors je peux monter, je vois pas ce qu'il y a, j'irai faire là-haut. Ah, pas avoir le vertige. Hein. Ok. Là typiquement on a une vue. Ah, on a un trophée. Je me mets là et je crie.
tout actionner là. Ah, il y a une clé. Il y a une clé dans l'eau. C'était la grosse boule pour Big Mechanism. Je suppose qu'il faut que je redescende à la coule ou bien... ou je saute. Non. Je pensais que je pouvais m'accrocher, mais non. C'est pas grave du coup s'il faut descendre. Est-ce que je peux sauter là? Ça va là, ça va. Ah, j'arrive. C'est un peu haut là. Il était temps qu'on s'arrête. On a tous vu la clé. Donc on va aller tout de suite dans l'eau. J'aime beaucoup la direction artistique de jeu. C'est superbe. Ah, par contre, il en faut deux. Ah bah j'en ai deux, non? Ah non, je dois en avoir qu'une. Ah, il en faut deux. La bonne blague. Et là j'en ai pas. J'ai pas la deuxième. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On n'a pas vu cette porte là. Si celle-là convient, non? Ça on a fait. Donc ça veut dire que ce sera pas d'ici. On n'a pas fait ça. Ah. Ah, il a peur. Ah bah du coup, il nous ouvre le passage. Ok, parfait. Merci, vieux. Ah. Ah. Ça veut dire qu'il faut que je l'amène. Aïe. Ah, on va le chercher. C'est génial. Je me rappelle plus de ça. Je me rappelle plus de ça. Je... Ah. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Donc on peut monter ici. Ici on a une espèce de mécanisme. Est-ce que je peux crier là-dessus? Ah non. Ah, c'est une boule. Que je peux mettre là-dessus. Que je peux mettre là-dessus. Très bien. Est-ce que cette boule, si je l'enlève, ça se barre. D'accord. L'idée. Attends, mais est-ce que je peux prendre une deuxième boule? Non, je peux avoir qu'une boule à la fois. Ne soyons pas gourmands. Donc l'idée, c'est que je l'amène ici, en fait. Je pense. Je pense que c'est ça le truc. Sauf que j'ai pas du tout le temps. Est-ce que je peux l'acheter? Si je la prends et que je la jette, je vais faire ça. Et oui, 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 c'est bon ça. Pas la refaire tomber. Voilà. Bah merci pour la porte. Tranquille.
Oh que c'est beau. Oh que c'est beau. T'es où, t'es où? Où ça? Attends, ah, je peux monter là. Ouais, j'arrive. Ah bah t'es là. Ok, bah j'arrive. T'es où, t'es où? Oh là là, oh là là, oh là là. J'ai le droit qu'à une boule. C'est quoi l'aile? C'est quoi l'aile? Il y a une autre boule là-bas. J'ai une autre boule. Alors, on va voir si avec deux boules on peut faire quelque chose. Ok. Ok, donc celui-là il monte. Ok, et celui-là il fait quoi? Il descend ça. Donc je pense pas que c'est maintenant qu'on en a besoin. Attends, 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 attends. Ouais, ils font des sales bruits. Celle-là fait quoi? Voilà. Ok. Ah mais non! Je peux pas. Ah, j'ai le droit à une autre boule là? J'ai le droit à combien de boules? C'est incroyable ce nombre de boules que j'ai le droit. Ah non, ça fait disparaître. Ok. Je pense qu'il faut que j'en ai une ici. Donc on va laisser ça. On va la laisser ici, c'est là. Et maintenant que j'ai ça, je vais faire descendre ce truc là-haut. Voilà. Je pense que c'est ça l'idée, je pense que c'est ça. Bon, cette vidéo va être un peu plus qu'une heure du coup. Parce que j'ai très envie de finir cette énigme avant de couper. Prends la boule. Voilà. Pose la boule. Ok. Je peux monter là? Attends, mais il faut que je mette la boule au bon endroit. Je crois que c'était là. Voilà. Et là, je dois pouvoir y aller. Ok, c'est parti. J'adore ce genre d'énigme. Je suis fan de ce genre d'énigme. Et du coup. Ouais, simple. Efficace. Oh bah, excellent, c'est magnifique. Je peux pas sauter là. Je sais pas. Je peux sauter ici. Je peux sauter ici. Moi aussi, tu peux sauter là. T'es un grand garçon. Bon bah génial. On va aller poser tout de suite cette clé. Bah, y a le personnage rouge là-bas avec le renard. Et on va poser notre clé.
Et voilà, ça se transforme en escalier. Bah, je propose qu'on s'arrête là-dessus. J'espère que vous avez kiffé le début de Let's Play, parce que moi, bah, la magie, elle est toujours là, même si je sais comment ça finit. Et puis, bah, lâchez-moi un gros pouce bleu si ça vous a plu, vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas. Et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. Salut tout le monde.